Alors, voilà. C'est bon. Pousse-le. Voilà. C'est en marche arrière, je crois. Je lui ai dit de mettre la tête à l'avant. Mais tu sais le coup de lever l'avant quand t'as des quads avario, c'est une combine. Ça t'évite de fumer la courroie. Faut que tu lèves l'avant. Ouais, parce que si t'es contre un obstacle et que t'accélères, la courroie va patine. Puis, de toute façon, c'est ça le truc. C'est un embrayage à sec, hein, c'est une enquête. Oh, j'en suis content. Faire gaffe, c'est une banane arrière. Voilà. Ça surprend. En tant que c'est le meilleur quad d'enduro. D'ailleurs, c'est le seul quad d'enduro. Là, t'as un piercing là. T'as un varox. Pourquoi tu l'as pas pris en 4x4 hein? Parce qu'en 4x4, il y avait trop de problèmes sur l'étouffement, c'est un système électromagnétique. Et c'est arrivé pas souvent, mais t'as un ou deux mecs qui se trouvent. Dis trop, Guillaume, dis trop. C'est arrivé un mec à rallye de l'équipe d'ailleurs. Et ça, c'est un manque de confiance. Parce que quand il a ce deux potes, c'est pas possible. Donc j'ai 34-2. Par contre, l'avantage en 4-2, il fait 22 kg moins que le 4-4 sur le tour avant. Par contre, il doit lever moins facilement comme t'as le tour. Ah, il est quoi? Ah, bah ouais, il y a 22 kg en plus. Parce que celui-là, le problème qu'il y a, c'est que dès que tu commences à attaquer des grands bêtes, honnêtement, t'es chiant, t'es chiant. T'es gros, t'es haut. Ouais, t'es haut, hein, t'es vachement. Oh. J'avoue, le style au démarrage. Je l'ai loupé.